Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo veille plus jour de la rentrée. C'est parti. Donc vraiment la veille de la rentrée, je vais profiter un maximum parce que c'est le dernier jour de vacances. Donc je vais faire ce que j'aime, comme faire du montage, parce qu'en ce moment j'adore. Ça fait plusieurs vidéos que je monte sur ma chaîne YouTube et d'ailleurs je voulais vous remercier pour tous vos retours, tous vos messages. Ça me fait super plaisir et ça me motive. Après avoir fait mon montage, j'avais une envie de goûter parce que c'était l'heure du goûter et je me suis dit pourquoi pas faire des petites crêpes. J'adore, c'est facile, la pâte à crêpes, même si c'est facile... Yana n'y arrive pas, oui, vous allez voir. Donc je mets la pâte à crêpes sur le thermomix et let's go, c'est parti. C'est hyper simple, je mets tous les ingrédients dans le bol et il fait tout seul. Alors voilà, ça c'est l'étape où je n'y arrive pas. On voit ma tête de concentrée. Alors je ne suis pas du tout une pro des crêpes, mais bon, je fais de mon mieux. Ensuite, je me suis mise dehors et j'ai pris tout le nécessaire pour un goûter parfait que j'aime. J'ai pris ma boisson de l'été, Schweppes Virgin Mojito. Alors, j'ai découvert ça cet été. Comment vous dire que j'arrête pas. C'est juste génial. C'est trop bon. Donc, je le mets dans ma petite jarre et je me fais une petite crêpe. Et je vais lire le manga que je suis en train de lire. C'est Au-delà de l'apparence. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu. Ensuite, j'avais une soudaine envie de créer, de personnaliser. Alors, je me suis dit, pourquoi pas personnaliser mon trieur? Je le fais chaque année parce que mon trieur, c'est mon seul outil. Parce que vous savez, comme j'ai une scoliose, je ne prends pas de cahier. Donc, je prends un trieur et je le personnalise chaque année. Donc là, c'est la deuxième année avec des petits autocollants. Ceux-là, je les ai trouvés sur Shein, mais vous pouvez très bien trouver sur Amazon ou d'autres sites. Ils sont super beaux, très, très esthétiques, très, très, très pastels. Donc je fais sous forme de collage un peu, c'est un peu un collage, je mets plein de stickers. Voilà le résultat, dites-moi en commentaire si vous validez, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment des couleurs que j'aime. Mon frère avait décidé de se déguiser, alors dites-moi en commentaire si vous validez, mais franchement moi je valide. C'est vrai que souvent la veille de la rentrée on est vraiment stressé, alors je me suis dit pourquoi pas me détendre en mettant des petites guirlandes, galaxies, guirlandes lumineuses et mettre de la musique chill. Et faire un petit masque, donc j'ai pris un masque détox au charbon qui vient de chez Carrefour. Et je me suis posée sur mon lit en continuant de lire mon petit manga. Voilà, je prends du temps pour moi, je prends soin de moi. Et aussi répondre à vos commentaires, d'ailleurs je voulais vous remercier pour le nombre de messages que j'ai chaque jour. Merci beaucoup. Je prépare mon pyjama et je file à la douche, donc j'enclenche bien sûr de la musique parce que moi la douche se résume à musique, donc j'enlève mon masque, mais pas que, c'est la petite séance de danse, je danse, je danse, je danse et je ne m'arrête pas. Non mais vraiment, je suis pas sous la douche, je suis juste devant le miroir en train de danser et en train de m'ambiancer sur mes musiques préférées et sur ma playlist. Après une bonne séance de danse, je vais venir aller à la douche. Donc je me lave les cheveux, au moins ils seront tout propres pour la rentrée. Donc je me lave les cheveux avec un shampoing cheveux gras aux extraits de pamplemousse et mon produit, mon après-shampoing pour les boucles et mon gel douche à l'amande de chez Carrefour. Donc je sors de la petite douche, j'ouvre la fenêtre pour aérer. Donc après la douche, je me suis dit pourquoi pas faire un masque pour mes cheveux, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et je voulais tester le avocado de chez Carrefour. C'est un masque qu'on pose 30 minutes à l'avocat, donc je l'ai testé et vous allez voir, il est juste génial. Par contre, on valide la petite Charlotte en forme d'avocat. Donc je vais venir l'appliquer de la racine jusqu'aux pointes, tout en chantant bien sûr, comme d'habitude. Et après avoir fini de l'appliquer, je vais mettre la Charlotte, elle est juste trop drôle, non mais vraiment, en forme d'avocat. Ensuite, je vais venir mettre une crème de chez Sephora sur mon visage pour l'hydrater.
et mettre un gel fraîcheur des yeux en dessous pour les cernes. Après 30 minutes, je vais venir rincer mes cheveux. On passe à date. Donc ce soir, c'est spaghetti à la bolognaise. Et il y en a un qui a très très faim. Mon petit chat que j'aime, il est pas trop mignon. Après le repas, je vais venir me brosser les dents. Et je vais venir démêler les cheveux. J'étais assez étonnée, vraiment, ils étaient tout doux, c'était vraiment agréable. Et je vais venir préparer ma tenue de la rentrée. Et aussi préparer mon sac. Donc je prends une trousse, mon agenda, mon trieur et quelques feuilles de quoi noter pour prendre des notes. Vers 22h, je vais commencer à aller au lit, donc je vais venir me détendre vraiment parce que le soir, je veux pas stresser et penser à la rentrée, donc je vais venir regarder une petite série sur Netflix, donc soit je regarde un film ou une série, en ce moment je regarde Stranger Things. Et pour me détendre, vous savez que j'adore lire avant de me coucher, donc je vais venir lire mon petit manga. Je mets mon réveil à 7h45, c'est vrai que ça pique, on n'a pas l'habitude de se coucher à 7h45 pendant les vacances, mais on est obligé et je me couche pour une belle nuit. Ça y est, c'est le jour J, c'est le jour de la rentrée, on démarre une nouvelle année aujourd'hui, donc je vais venir me lever doucement, vraiment je prends le temps de me lever parce que je veux pas me speeder. Donc je me lève, je vais ouvrir mes volets, je regarde un peu dehors et je vais venir mettre ma couette dehors. On admire ma tête du matin. Je vais me passer un coup d'eau sur le visage pour bien me réveiller et après je vais aller dans la cuisine choisir mon déjeuner. Donc en général, comme c'est un jour de la rentrée, on n'a pas trop faim parce qu'on a un peu le nœud dans le ventre. Mais je prends quand même le temps de déjeuner parce que c'est important. Donc je me fais une petite tartine grillée, un verre d'eau et une compote. Ensuite, je retourne dans ma chambre pour faire mon lit. Alors, vous allez voir, je ne suis pas du tout fan de Stitch. Franchement, c'est un personnage que j'apprécie pas trop. Non, mais attendez, j'ai la couette Stitch. Et attendez, vous avez pas encore vu les peluches, hein. Voilà. Non, mais je suis pas trop fan, sinon. Je vais venir me brosser les dents et faire ma toilette. Donc je vais appliquer une eau micellaire pour le visage. Et je vais venir me lisser les cheveux. Voilà, le jour de la rentrée, j'ai envie de me faire quand même une coupe assez jolie. Donc là, pour l'occasion, je vais me lisser les cheveux. Par contre, regardez comme ils sont tout doux. Vraiment, le masque a fait effet, c'est un truc de fou. Je vais mettre une crème de jour hydratante. Donc voilà, j'ai fini de me lisser les cheveux, je vais aller enfiler ma tenue. Donc voilà ma tenue, j'ai pris un cardigan de chez Shein et un jean Stradivarius. Je vais mettre mon déodorant, un peu de mascara, même si vous savez, je me maquille pas trop. Mais là, j'avais envie, parce que bah, c'est quand même la rentrée, un peu un mascara de chez Benefit et un gloss de chez Nabila Beauty. Moi, ça fait un petit look naturel. Et j'ai enfilé mes baskets, mes nouvelles baskets Puma qui sont pastel. Elles sont juste magnifiques. Et je prends mon sac à dos et let's go to school, back to school. On va au lycée, c'est la rentrée. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne rentrée. Ne vous stressez pas, ça va le faire. Je pense fort à vous. Je vous aime fort. Bye bye, team étoile. Hello.